Ils ont passé un merveilleux Noël grâce à vous. Merci. Vos likes ont permis de récolter 3000 euros pour le refuge Ara. Et aujourd'hui, nous allons leur remettre vos dons. On vous emmène voir ça. Chaque année, on fait le calendrier de l'Avent digital. Donc pendant 24 jours en décembre, on envoie des produits à nos abonnés pour les remercier d'être là. Et là, on se disait, comment est-ce qu'on peut mettre dans cette équation une association pour mettre en avant justement le fait qu'il y a encore des animaux abandonnés. Oui, c'est un petit canard. On a trouvé vraiment une équipe formidable et donc on a décidé que c'était l'association avec qui on allait collaborer pour ce calendrier de l'Avent. On s'est senti déjà très bien accueillis par des bénévoles très chaleureux. Ça se voit dans les box où sont les chiens, ils sont quand même spacieux, très propres. Et puis ils sont en forme les chiens, ça fait plaisir à voir. Il gardiennait un entrepôt. Ah oui, l'entrepôt. Deux fois il s'est sauvé. On l'a récupéré donc en fourrière parce qu'il a été ramené par la police. Et puis la deuxième fois, le maître a dit on n'en veut pas, j'en veux plus vous le garder. On se demande encore comment ils font confiance aux humains après avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Mais bon, je pense qu'ils sont pas bêtes et ils voient bien qu'on est là pour eux dans le bon sens. On voulait aussi vraiment se tourner vers une petite association, c'était un critère, parce qu'ils ont besoin de visibilité et comme on le voit là, les box sont remplies. Alors il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a plein de chiens qu'on a vus il y a deux mois qui ne sont plus là, donc c'est super chouette, mais il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Et finalement, si tout le monde prend conscience en fait, un animal c'est une responsabilité, c'est le rôle aussi d'une marque qui travaille dans ce milieu de parler de responsabilité. On a été vraiment, vraiment époustouflés par le nombre de personnes qui se sont engagées pour ce refuge. Donc on est vraiment super contentes de ce calendrier de l'Avent et de toutes les retombées que ça a engagées. Notre communauté du coup a réussi à donner 3000 euros de produits au refuge et on en est vraiment super fiers et c'est pour ça en fait qu'on travaille tous les jours. Après ça on arrive. Ah, mais vous êtes meilleur que moi, c'est tout ça. On sort enrichi en fait de ces contacts, de ces gens qu'on a rencontrés. On a plein d'idées aussi pour les aider plus tard. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de se préoccuper aussi des chiens qui n'ont pas de propriétaire, parce qu'on est, c'est une cause qui touche tout le monde en fait. Attends, je vais t'en donner. On a été vraiment contentes avec Louise de voir à quel point notre communauté est si solidaire, ça nous a beaucoup touchés et du coup ça nous donne envie de recommencer l'année prochaine.